Mes amis, c'est Willy et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, encore une fois, on est de retour dans notre fabuleuse aventure sur Let's Gone. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Bon, je nous ai déjà avancé le trajet. Il m'est pas arrivé grand chose, hein. J'ai juste fait le chemin, j'ai rencontré des corbeaux, une embuscade aux lance-flammes. Et là, on doit récupérer de la levure pour ça. Sauf que bah, là, l'endroit, apparemment, il y a des brutes. C'est bizarre, je t'entends une meule. Bon, déjà les tétards. Ah, ouah, il y en a trois en tout. Ah, eh, j'ai pas de gros calibre, alors voilà, ça sera comme ça. Oh, je suis nul. Bon, à mon avis, ils sont pas bêtes, ils savaient escalader une barrière. Allez. Ah, ah bah lui, il est bête. Lui, il va un peu moins. Laissez-moi tranquille. Oh, y'a plus de cocktail. Blessé. Attends, monsieur. Bah, pourquoi je peux pas tirer? Bah, c'est quoi ça? Y'a un bug? Bah, je peux pas tirer. Il m'a fait un bug, le jeu. Pitchy time. Il garde des cacahuètes, mais il va. Non! What? What? Oh, pas tombé. Ah, ça y est. Ah! T'as raison! Où sont collés? J'ai pas de matos, arrêtez! Oh non, je rentre dans l'arène. Oh. Oh. Ils me font peur, ils me font peur. Ah ouais, j'ai vraiment rien. J'ai nul. Ça va être un petit peu long. Alors déjà la dernière fois, j'ai réussi à me toucher. La dernière fois on avait une batteuse, il a fallu 5 chargeurs. Ah bon, il n'y a pas trop, il va bien m'aider. Il va pas mourir celui-là. Oh, je sais pas quoi faire, j'ai pas de balle. Petit caillou. On a fumé. Ah, ok. Je sais pas, non, ah, je vais démarrer la moto. Touché. Putain, pourquoi trop, quoi? Oh bah merci, aidez-moi. Je sais pas c'est qui. Vas-y, fume, bonne chance. Ils sont les deux autres. Dans les bombs. Oh.
un petit peu la merde. Oui. Monsieur, au secours, il y a des monsieur Foufou. Je me tiens. Ah, t'es sérieux, toi, t'es quoi en fait contre moi, toi. Allez, lui, va se faire défoncer. Ah, voilà. Par contre, c'est pas un one shot. Ah, enfin! Plus que deux! Oh! Commence bien la mission. Ah! C'était le dernier. Sérieux? Ok. Allez, où l'autre? Où est cette putain de levure maintenant? Bah, c'est fait tuer par qui, lui? Tiki qui t'a tué, toi? Pouf! Quand je dis qu'il faut faire les missions secondaires pour avoir de l'équipement. Ah là 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 là. Au moins, nous, on y va, là, dur! C'est long, mais on y arrive! Oh ouais. Mettez-te, Goulou. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a un shoot de qualité. Ah bah, on va pouvoir fabriquer des choses comme. Ce sera pour les prochaines bobottes. Levure, levure. C'est la carte postale. Voilà, nickel. Ok. On a de la levure. J'espère que ça suffira. On va faire un petit gâteau avec ça. Il y a pas mal de choses à récupérer. Y'a pas à faire une attaque par derrière, toi. Hein. Pas non, à de la ferme. Première nouvelle. J'ai entendu un goal. Non. Allez, clic, clic, clic. C'est bien ça. Tant qu'à faire, c'est gratuit. Allez, allons nous prendre encore un râteau par Madame Sarah. Saint John pour le lieutenant Whitaker au rapport. Deacon, caporal Saint John. J'ai dégoté ce que vous vouliez, la levure. Vous n'avez pas beaucoup. Je suis sûr que ce que vous avez trouvé conviendra très bien. Je suis curieux. Pourquoi vous avez besoin de... Désolé, mais je suis occupé. Il faut que j'y aille. On parlera à votre retour. Terminé. Ok. De rien. Bonjour. Comment
Arrêtez! La violence ne résout rien! Ouais, ça devient un petit peu compliqué hein, la relation. Puis bon, ça fait quoi de se cacher? Tu peux le dire à tout le monde. Ah, c'est vrai que le colonel est un peu strict avec ça, mais bon. Et, oh, c'est ta femme. Tu veux repeupler le monde, et ben il faut faire que. Voilà, il faut mettre les gens en couple. Il faut créer des futurs soldats. La balade. Voilà. Regardez au cas où, j'ai refait un petit peu à l'armurerie. Hey, toi. T'as encore jamais vu dans le coin. Oh, toi, je suis pressé de t'acheter des armes. Mais on m'appelle Dee. Saint John, Deacon. Alors, là, c'est toi bien. Le fournisseur de matos, ici? T'as tout compris, vieux. Tu veux un flingue? Je l'ai. Si j'ai pas ce que tu cherches, c'est que ça existe pas. Génial. Voilà, je suis le patateur. Pis ça, là! Moi! Oh là là! T'as l'argent qui te brûle les doigts, ou quoi? Ah non, c'est que je suis très 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 mal payé. J'ai surtout une arbalète sans flèche. C'est normal. Madame. Bon, tu arrêtes la comédie, s'il te plaît. Pardon. Je sais que la situation est bizarre, mais j'y peux rien pour l'instant. Ouais. À part que je dors dans un baraquement avec une dizaine de troufillons alors que ma femme occupe une tente privée dans les quartiers des officiers, je vois rien de bizarre. Dicole. Il y a aussi le fait qu'on se croise que quand je remplis une mission pour elle. Mais non, rien de bizarre à part ça, madame. Ma levure, merci. Tu veux faire un gâteau? Si t'as besoin d'un four, je sais non, où en dégoter non, un. Je m'en sers pour cultiver des protéines virales. Ça permet d'activer les anticorps. Mais bien sûr, tu étais ironique. Gâteau, protéines virales, c'est du kiff-kiff pour moi. Eh, pas si vite. Tiens. Merci. Tu l'as déjà dit. D'être resté, je veux dire. Oui, chef. Bah de rien, chef. Du coup, madame, maintenant, faire quoi? Y a pas de points sur la carte. Non, non. Ah. Posez-les là. Merci. Caporal Saint John, ici le docteur hey, Jiménez. Qu'est-ce que tu fais ici, Saint John? Salut Doc, ici Deacon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, Saint John, parfait. Je voudrais que vous passiez à l'infirmerie. Il y a un problème? Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, rien de tout ça. C'est pour suivre l'évolution de votre blessure. Blessure? Ça va, Adam? Une brûlure au poêle à bois? Ça plaisante pas. Vous voulez que ça s'infecte? Allez, venez me voir. C'est un ordre. Ok, Doc, ok. Comme vous voudrez. Elle est où son infirmerie, lui, déjà? Reste pas là, l'ami, reste pas là. Alors déjà, je suis sûr que je suis plus gradé que toi. Donc, ferme. Saint John, ici le capitaine Coury, répondez. Ouais, capitaine, bon, je vous écoute. Je voulais vous dire que le colonel fait un petit discours.
courts, informels, tous les soirs, au crépuscule sur l'aire de rassemblement où vous avez prêté serment. D'accord, chef. Et bien que les discours soient informels, la présence de tous les conscrits est requise. C'est noté, chef. Terminé. Génial. Un commandant qui aime les causeries au coin du feu. J'ai hâte. C'est bon ? Hey, Doc. Entrez. Sientense. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voyons voir. Alors, pour qui vous rouliez avant tout ça ? Je vois pas de quoi vous voulez. Non me mientas. Caporal, j'ai passé 20 ans à Los Angeles à rafistoler des bandas de motoristas, entre autres bandieros. Je connais les signes. Et ça, là, ça vient pas d'un poêle à bois. Ok, nettoyez bien et ça cicatrisera. Mais vous aurez une marque. Et je veux que vous repassiez me voir dans 2 jours. Ça marche. C'est drôle. Quand tout a merdé en ville, des quartiers en guerre depuis des années se sont unis pour combattre. Ensemble. Latinos, Gueros, Chinos, Bloods, Crips. Peu importe. C'est dingue qu'il en faille autant pour unir les gens, non ? Merci, Doc. C'est pas faux ! Un bon soldat. Ouais, c'est un bon soldat. Nouvelle mission débloquée. La carte, oui, s'il te plaît. Où ça ? Je prends pas de mission. Espèce du menteur. Bon, allez là. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Des dizaines de nouvelles recrues ont rejoint nos rangs. Soyez les bienvenus. Peu importe la couleur de votre peau. Peu importe le pays qui vous a vu naître. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe que vous soyez gay, lesbienne, bisexuelle ou transgenre. Ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ce sont des choses décrétées par le Tout-Puissant et nous les acceptons. Ce que nous n'acceptons pas, ce sont les menteurs, les voleurs, les violeurs, les meurtriers, les fornicateurs, les hommes et femmes adultères ou coupables de parjure, les toxicomanes ou les criminels en tout genre, que leur crime ait été commis dans cette vie ou dans la précédente. Votre façon de vous comporter, l'attitude que vous adoptez aux yeux de Dieu, ça, ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Et tout soldat ou officier, reconnu coupable de la moindre transgression, aussi minime soit-elle, sera amené ici, sur cet échafaud, pour être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Certains d'entre vous trouveront peut-être cette sanction cruelle, mais sachez que toute sanction infligée par nos soins est un acte miséricordieux comparé au châtiment divin qui s'abat sur le monde en dehors de ses murs. Personne n'est parfait. Nous ne vous demandons pas la perfection. Ce que nous vous demandons, c'est l'obéissance, l'ordre et la discipline. Donnez-nous ces choses. Amen. Et nous gagnerons cette guerre. Rompez. C'est un petit peu le même discours qu'il a fait la première fois. Ok. Ouais, mais moi je veux des missions. Saint-John, réponds. Oh, par lui. Saint-John. Taylor, ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles. J'avais peur que tu te sois frotté de trop près au type que tu suis. Oh, ça, je suis pas loin. C'est comme si j'étais dans son jardin. Hé, hey, j'ai besoin de ton aide. Je suis dans un petit camp au sud de Crater Lake, à côté de South Rim Drive. Taylor, écoute-moi. Je sais pas ce que tu fous, mais tu devrais. Non, non, merde, non. Lâche-moi. Taylor. Oh, merde. Bon, bah, allons sauver le bouffon de service. Doot, 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 doot.
John pour lieutenant Whittaker, à vous. Je passe sur un canal privé. Attendez. Deacon, tu m'entends? Ouais. Écoute, j'ai jeté un œil à ton formulaire de réquisition. Tu veux du silicate? Oui, du silicate. Je m'en sers comme solution de distillation au chromatographe. Au chromato quoi? Désolé, c'est le seul axe de mes recherches qui progresse bien. Bon, et ton silicate, je le trouve où? Merde, je croyais l'avoir noté sur le formulaire. Attends, ok, il y a un petit bazar au sud-ouest, près du village de Mazama. Tu devras en trouver là-bas. Ok, ça marche. Merci. Enfin, je veux dire, disposé, caporal. Oui, chef. Lieutenant. Terminé. Silicate. Qu'est-ce que c'est que cette merde d'abord? Du coup, il y a vraiment deux missions? On verra si on peut la choper en même temps. Elle est quand même sur une ligne sécurisée, mais non, elle m'appelle soldat, quoi. Ouvre le porte. Deacon, t'es là? Encore? Je suis là. Oui. Je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Chef. C'est un canal privé. Dick. Ok. Je voulais que tu saches que je pensais ce que j'ai dit. Sur le fait que tu sois resté pour moi. Je sais que ça doit pas être facile pour toi. D'être ici. Comme ça. Ouais, enfin. Je pourrais aller d'autres. En plus, si je m'en vais, je serais obligé de rendre cette magnifique casquette. Alors, bonsoir. Ça me plaire, cette casquette. Vraiment. J'en doute pas. Ok, bon. Faut que je retourne bosser. J'ai déjà rempli une demi-douzaine de boîtes de pétri avec la levure. Cool. Garde-moi un peu de protéines virales. Au cas où j'ai un petit... Faut vraiment se garer à côté? Pas de problème. C'est surréaliste. Non, Whittaker, terminé. Capitaine Coury, ici le caporal Russell. À vous. Battez en train, putain, bougez-vous. Vous avez entendu? Repliez-vous, repliez-vous. Russell, au rapport. Chef, on partait en mission de ravitaillement à Chemult. Mais on s'est retrouvé face à la plus grosse horde que j'ai jamais vue. Putain, pour la réparer. Allez, vous avez entendu le caporal? Bon, écoutez-moi très attentivement, caporal. Sortez vos hommes de là. On n'est pas prêt à engager le combat. C'est compris? À vos ordres, chef. On va pas se faire prier. Terminé. Allez, on se tire. Maniez-vous le train. Tant pis. On se replie. Allez. Mais il se passe quoi là? Et tout le monde nous propose des missions, tout le monde part en guerre. C'est quoi le chemin? Entendu, t'as vu quelque chose, mais t'as rien fait. Allez, tire, ne laisse pas tomber. Dis-nous où est ton camp. Et peut-être quand elle sera partie. Hein. Je t'emmerde. Faut le buter. Je crois qu'il nous a pas bien entendu. Voyons comment on peut arranger ça. Je vous dirai rien. Allez, c'est parti. Attendez. Et maintenant, tu m'entends bien? Virez-moi ce merde d'ici! Mon oreille! Arrêtez! Vous en dites quoi? On pourrait peut-être échanger ça au camp militaire! Contre des crédits! Putain de merde! J'arrive dès lors. Tiens bon. Oh là, allô? Ouais. Et là, descendre. Hop, silencieux. Oh.
tuer l'élu. Toucher à mon pote. Ah mon pote, c'est vite dit. Ouais, si fais-le. Ça me touche pas mes potes. Bon, il y a un mur, hein. C'est rien, c'est un caillou. Oh, je l'ai vu. Comment je suis trop fort en fait. Je suis comme vous, je vois rien. T'aimes ça, hein, sale fils de pute. C'est bon, dit qu'on en a compris, c'est ton pote. Tu le détestes, mais en même temps, tu l'aimes. Ah, mais le problème, c'est que vous voyez les choses, mais un petit peu trop tard. Ben. C'était le dernier. Faut que je trouve un moyen d'entrer. Alors. On va user les ressources. Tac. Ah ben non, on peut pas s'en servir. Compatriote Taylor, salut. Et voilà. C'est un peu bête. Comment ça va, Taylor? Oh, tu sais, j'ai connu des jours meilleurs, mec, c'est clair. Ouais. Oh. Je me doute. Bon, écoute mon vieux, prends ça et colle-le contre ton crâne. Voilà, bien. Okay. Maintenant, je veux que tu m'attendes ici, ok? Je vais contacter le capitaine Coury pour qu'il envoie quelqu'un te chercher, d'accord? Ouais, d'accord, ça marche. Est-ce qu'une oreille, on peut la recoudre? Souvent, on voit dans les films des gens qui sont coupés la main, les doigts, je sais pas quoi. Et ça passe. Mais Nora, est-ce que c'est pas Coury, ici le caporal Saint John. À vous. Ici Coury, je suis avec le lieutenant Whittaker. J'évalue vos progrès. Je vois. Caporal, j'ai dit au capitaine Coury que vous m'aviez grandement aidé. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Merci. C'est cool. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Capitaine, il y a un camp de maraudeurs pas loin de Sauce Rim Drive. Des maraudeurs? Si près de l'île? Non, non. Écoutez, non. J'aurais réglé leur compte. J'ai un blessé. C'est pas tout ça, là. Ils lui ont toi, tu me prends pas par derrière. Oh mon dieu, comment il va? Le soldat Taylor, qu'est-ce qu'il fichait dehors? Il survivra. Je sais pas ce qu'il foutait là. Il faut que vous nous envoyiez. Envoyez des renforts, on a dit. Reste à terre. Il survivra. Je sais pas ce qu'il foutait là. Il faut que vous nous envoyiez le doc. Le capitaine Jiménez et des hommes pour le récupérer. Je vous envoie les coordonnées. Je le préviens immédiatement. Terminé. Allez, on enchaîne avec la mission pour ça. Oh mais c'est une région de fou. Attends, c'est bien la mission de Sarah qui m'ont mis. Oui. C'est dans le petit chemin. Et alors, comment tu te sens? Ah, pas là, quelqu'un. Je te l'ai dit, j'ai connu des gens meilleurs. Je crois
arrêté de saigner. Ah bah non, en fait, non, ça continue. Ok, les secours arrivent. Accroche-toi. Tu veux que je revienne? J'attends avec toi. Non, oh, pas question, non. Déjà que je me sens couillon, ça va aller, tout bagne, je te jure. Ah bah maintenant on peut. Je passerai te voir à l'infirmerie, un peu plus tard. Ah, il faut directement sur la moto. J'ai bien vu la gueule qu'elle a, je vais te dire, je suis bien mieux ici. Ouais, bien mieux. Ouais, ah. Je l'ai vu aussi. Essaie de pas trop faire chier le doc, d'accord? Terminé. C'est bon. Ah, fait du bien. Oh. Ouais, va. C'est bien fait maintenant, il y a du brouillard. Vraiment bête, hein. On suit vraiment le GPS. Ah non, c'est bon, c'est vraiment parce qu'il y a un camion qui bloque. On suit le GPS bêtement, mais. Ah, on voit rien. Ah, le point bleu des brutaux. Bonsoir. Ah. Munition. Eh, je le savais que t'allais pas attaquer quand même. Ah, il y a vraiment pas mal de monstres ici. On dirait bien que j'y suis. Antitor. Alors, par où vous entrez, les gars? J'en ai besoin. Pourquoi ils ne sont bleus aussi? Ouais. Par ici, peut-être. Je vais faire ça. Je devrais pouvoir monter par là. Ah, tu vas passer par le toit. Salut, mes petits choux! Oh, sérieux! Oh, mais décidément, je suis vraiment nul. Par ce trou, peut-être. Y'a caca? Y'a la femme de ménage. C'est encore combien? Deux? Bon, ça passe. Petit coquin. Ah, un sac que je sais pas quoi. Il y avait un truc là. Pas de concert. Non, pas là. Ouais, c'est ça. Du silicate. Ça va l'affaire. Bon. Voyez un point rouge là avec quelqu'un qui me traque. Plus qu'à trouver un moyen de sortir d'ici. Je connais un qui savait pas se garer. Ouais, non, mais de toute façon, j'avais compris que c'était la voiture. Et moi, je vais voir le point rouge. Allez, ma grosse. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, c'était sûr. On garde vraiment la voiture n'importe où. Attention. Tu peux pas remonter? C'est un corbeau qui bug, ça. Ah,
ça vient Big Tilius. Laissez-les, c'est des Titor. Bruh. Caporal Saint John, quand est-ce que vous pourrez repartir en mission pour moi? Je sais pas. Weaver. Caporal, venez me voir quand vous serez de retour sur l'île. Terminé. Ouais, t'es bon. Oh, foiré de Weaver. Attends, je vais juste avancer la moto, puis inspecter la zone bleue. Hey Doc, vous êtes là? Ici le Caporal Saint John pour le docteur Jiménez. À vous. Oh, Saint John, comment va votre bras? Bien. Bien. C'est grâce au baume que vous m'avez filé. Ça marche. Impec. J'en jugerai moi-même. Dites, j'appelais... Enfin, je voulais vous demander, vous connaissez bien le lieutenant Weaver? Le lieutenant Weaver? Je le connais, mais pas plus que les autres officiers. Pourquoi? Je sais pas, c'est juste que... Je fais des sorties pour eux, pour le lieutenant Whittaker, et lui... Et... J'ai l'impression qu'il... Je sais pas, qu'il passe son temps à la coller, bref. Ça me plaît pas. Le lieutenant Whittaker sait se débrouiller toute seule. Écoutez-moi, Saint John. Le colonel ferme les yeux lorsque les officiers chahutent. À votre place, je m'en mêlerai pas. Ok, Doc. Et vous en faites pas pour le lieutenant Weaver. C'est pas un saint, mais j'ai vu pire. Terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, pas par là. Je suis pas sûr que le cocktail y retombe. Personne? C'est bon? Des gens là-bas. Mais là, c'est quoi la zone inspectée? Ah, il y a du sang. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je m'en sors bien. Ah bah c'était ça, les mutants. Putain, le carnage. Je me demande si ces gars avaient un truc qui en valait la peine. Ça quoi. Bon. Moi, une zone bleue, je pensais que c'était pour sauver plus bah monsieur quoi en détresse. Eh ben non, juste pour des ressources. Me faire user une grenade pour ça. Ouais, je pense qu'on va du coup on va retourner au camp, voir ce qui se passe, et puis bah, ce sera la fin de la vidéo les amis. Oh non. Mais non, mais laissez-moi le temps de sauter de la moto! Ouais, calme-toi, mon gars! Hein? Non! Non! Pas un peu de moi, quoi! C'est bon, ils sont morts. Et où lui? Là-bas. Qu'est-ce que tu dis ça, hein? Tire-moi dessus, espèce d'enfoiré! Son chien, ma bécane! Ha
Eh, pour une fois, elle est bien. Oh, faut quand même que je la relève alors qu'elle est déjà relevée. Oh, bordel! Bah ouais, je sais. Mais il n'y avait pas la touche. Bon, ça n'a pas l'air trop grave. Ouais, ça va tenir. Un sardin du brindour. Là, t'en peux faire. Allez, au feu. Salut. Je sais pas si ça me rapporte des réponses, mais à moi, voilà. Alors, on va juste voir c'est quoi le point bleu, si ça a encore une traque qui sert à rien. Boum. Est-il un civil ou pas? Ça par contre ça a encore une traque à la con, je suis sûr. Et là il y avait un point. Ouais, moi je pense que c'est trop tard qu'on a lancé la traque. Putain, fais chier! C'est quoi le délire? Ok, ok. Je suis vivant, tout va bien. Cool, cool, cool. Bon, allez, il me faut mes affaires. Il vaut mieux pas qu'ils me voient. Oh, et cette région-là, il y a vraiment tout! C'est mon flingue. Oh non. Les gars sont vraiment bêtes pour me laisser les gueules. C'est bon. Oh, il fait cool, bonhomme. Juste au cas. Bon, rien et toi. Tu es l'élu. Ah. Peut-être mes affaires, non? Pas du tout. Ah bah si. Oh. Ok. Dal Jackson. Ah voilà. Par contre, je suis où par rapport à ma moto? Non. Bon bah, je finis le reste à pied. J'espère qu'ils vont me la ramener au camp, par contre. Allez, où l'entrée? En plus, c'est pas très loin de notre camp, c'est ça le pire. Faut que je préviens mon colonel, il y a des intrus. Oh,
Voilà, pas, c'est mis. Ils ont été attaqués aussi. Ah, on n'a pas beaucoup de confiance ici. Hé, hey, caporal. Hé, hey, dis, j'ai une question pour toi. Oh. Est-ce qu'un mec de la côte Est est venu foutre ici, aussi loin de chez lui? Ouais, okay. C'est ça. J'ai servi avec un gars de Long Island. Disons que vous êtes facile à reconnaître. Ouais, je sais. Ben, c'est pas compliqué. Avant tout ce merdier, j'avais un site web qui s'appelait Faites parler la poudre. C'est vrai. Hey, caporal. J'étais là au moment du site. Ouais, c'est pas un menteur. Déjà une bonne arme. Je me sentirais en sécurité. Weaver, ça peut plus durer. Quoi? Vous avez peur de la concurrence? Dehors! Y a un problème? Madame? Juste une discussion amicale, caporal. Lieutenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est juste que Weaver pense toujours qu'on résoudra nos problèmes en faisant tout cramer. Ah, il fait chier! Ouais, il fait chier, tiens. Merci. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Deacon? C'est bon, arrête avec tes merci. Chaque fois que tu me dis merci, je repars avec un de tes formulaires de réquisition, la con. Mais formulaire de... C'est ça que tu crois, non, en vrai? Je voulais... Que tout ce que je fais, c'est je brasser du ça, vent? Non. Tu voulais dire ça, ouais. Tu sais, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu restes. Laisse-moi éclairer ta lanterne. J'ai passé ces deux dernières années à buter des mutants à la chaîne et de près, de si près que je pouvais sentir leur vieille haleine de Maccabée. Alors si tu bosses sur un truc qui permettrait tous les buter à la fois, putain j'en suis! Mais si tu veux que je dégage, tu sais quoi? Donne-moi l'ordre, chef. Deacon, attends. Excuse-moi, d'accord? Écoute, j'ai besoin, juste... Merci. Ton aide m'est précieuse. Même pas un petit bisou, non, bah non. Bon. Du coup, on a pas encore donné le point, donc ça va être comme d'habitude, les amis. Nous, on va se quitter là. Et quand. Ah bah, autant pour moi. Ouais, c'est le lieutenant Weaver. Vous avez pu regarder mon formulaire de réquisition? Vous bossez pour la sorcière quasiment tous les jours. Je vais commencer à être jaloux. Ouais, ouais. Enfin, oui, chef. Du polystyrène. C'est ça que vous voulez? Ouais, c'est ça, du polystyrène. Si vous avez du mal à en trouver, il y a un camion accidenté sur l'autoroute 97 au sud de Chemult, près d'un château d'eau. Vous pouvez le trouver? Je vais pas... Écoutez, je me charge du camion, ok? Vous aurez votre... polystyrène. Je compte sur vous. Terminé. Eh ben c'est nickel. Comme ça, on a déjà la mission pour le prochain épisode. Allez, c'est tout pour moi. C'était Willy, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!